Alors, Jacques Vendroux a fait son entrée dans Comment le studio d'Europe 1. Bonjour Jacques. Vous n'êtes pas venu seul, car vous avez entre les mains un objet. On peut dire que ce sera l'un des objets de l'année 2024. Mais attendez, mais c'est quoi? C'est le flambeau c'est olympique. La torche magnifique. C'est la torche. Par mes amis du Cojo et Tony Estanguet, qui l'a prêté à Europe pour ce matin. Montrez-la nous bien, Jacques, devant vous. Je vous la montre. Europe 1.fr, ouais, pour la voir. Alors, certains diront qu'elle a des airs de batte de baseball ou de peau d'échappement. Enfin bon, mais non, c'est un objet beaucoup plus auguste. Il y a un designer qui l'a dessiné, qui s'appelle Mathieu Lehaneur. Et voilà. Et donc, c'est tous les... Il y a 11 000 porteurs de la flamme qui vont circuler dans toute la France le jour de la cérémonie d'ouverture. Vous allez porter la flamme, Jacques ? Non, j'ai pas porté la flamme, mais je me suis lancé dans un challenge qui a aucune chance de réussir, je vous le dis tout de suite. Je voudrais très modestement que le jour du début des Jeux, je voudrais qu'il y ait une grande journée sur les Champs-Élysées, et je le fais passer le message à Tony Estanguet par le biais d'Europe 1, je voudrais que tous nos grands champions de ces 40 dernières années descendent les Champs-Élysées avec la torche. Une descente au flambeau. Voilà, avec Michel Platini, avec Alain Prost, avec Guy Dru, tous nos grands champions, notre l'ADN du sport français. Oui. Et je voudrais qu'ils descendent les Champs-Élysées. Jean-Claude Killy, ça serait pas mal pour la descente. Alors, je vais vous dire Jean-Claude Killy, alors je suis encore plus clair. Moi, je voudrais que Jean-Claude Killy allume la flamme. Ah oui, parce qu'on n'a toujours pas le nom de Et moi, j'en ai trois. Et je fais campagne pour ça, mais ça ne marchera pas parce qu'ils ne vont pas m'écouter. On va vous relayer. Lilian Thuram, oui. Jean-Claude Killy et Tony Parker. Voilà, le trio voilà mon trio. Et donc, cette flamme, elle a été prêtée très aimablement par le Cojo à Europe 1, je tiens à le dire. Oui, alors j'allais dire, parce que cette torche olympique, pas celle-ci, mais elle est montée à bord de la navette Columbia, elle est allée au sommet de l'Everest, est montée à bord du vaisseau Soyouz, elle a fait du chameau, elle a pris le Concorde, et donc elle est arrivée dans le studio d'Europe 1 dans les mains de Jacques Vendroux. Ouais, c'est quand même chic. Faire du Vendroux après du chameau, c'est formidable. Quand même. Non, mais ce qui est important, regardez, il y a des symboles incroyables, je pense, sous le contrôle de Pascal Praud. Je sais que, par exemple, Éric Pécou va passer devant le stade de la Beaujoire avec la torche. Et c'est un symbole. Jean-Michel Larquet va passer devant le stade Geoffroy Guichard avec la torche. Et il y a plein de symboles, sauf que le jour de la cérémonie d'ouverture, il faudrait que tous nos grands sportifs qui ont fait toute la vie du sport et qui sont encore en forme, etc., puissent prendre la flamme et descendre les Champs-Élysées et la porter à celui qui va ouvrir donc les Jeux Olympiques. On prend date, Jacques. Nous sommes le 1er mars. Vous lancez cet appel Je l'écris partout. Je l'écris dans le JDD. Je le dis partout. Je casse les pieds à tout le monde, etc. Parce que je pense que c'est une bonne idée. Et c'est la première fois dans l'histoire de l'olympisme qu'un président de la République va ouvrir les Jeux d'été. Parce que les deux derniers Jeux Olympiques, c'était le général de Gaulle, à Grenoble, et Albertville, c'était François Mitterrand. L'encyclopédie des Jeux. J'en profite, Jacques Vendroux, vous êtes dans le studio d'Europe 1, on vous a pas souvent le vendredi matin. Bon anniversaire. Joyeux anniversaire, Jacques Vendroux. Vous avez la voix un peu cassée, je sais pas si vous parce que je reviens d'une tournée avec le Variété Club de France en Guinée. Donc j'ai un peu attrapé froid avec la climatisation. Le retour était un peu dur, voilà. Mais c'est pas grave. Je me disais, il n'a pas parlé du Variété. Donc ça fait 5 minutes. Ne fais pas le malin, je serai chez toi à 10h20. Oui, parce que vous avez dit que la torche était pour Europe 1, mais elle sera également pour CNews. Bien sûr. Mais votre idée est formidable des Champs-Élysées. Jacques, qui avait déjà fait défiler les Verts en 76 sur les Champs-Élysées à Glasgow. Donc c'est bien que 50 ans plus tard, ce soit tous les sportifs, bien sûr. Alors je vais vous donner rapidement une liste. Zinedine Zidane, Michel Platini, Alain Prost, Hugo Lloris, Yannick Noah, Jean-Paul Loss, Patrice Agelhoeff, Philippe Sella, Serge Blanco, Jean-François Lamour, Laure Manoudou. Voilà qui descendent tous. Ce serait spectacle télévisuel incroyable. Je précise que la torche olympique n'est pas allumée. Non, pas encore. Non. Elle est sur Europe 1. Voilà.